David, je te mets au défi de soulever une assiette avec un verre. Ouais, soulever une assiette avec un verre sans la casser. Bah alors regarde, hop, moi je peux le faire. Et voilà. Ha ha! Et bah là on est embêté. J'ai déjà réussi, dis donc. Donc on va faire une petite expérience, tout simple. Donc on a un bêcher qui a de l'eau dedans. On plie en combien on le serviette en combien la serviette? En combien on la plie? Non, il ne faut pas le plier d'ailleurs, j'aurais pas dû le faire. Ah bon, d'accord. Okay. Bon, bah mouillez la serviette, les cobayes. Ouais. Et vous le mettez sur l'assiette. On mouille la serviette et on la met sur l'assiette. Sur la serviette, sur l'assiette. Et puis, bien à plat. Hein. Donc on prend un bout de papier. Alors ensuite, vous avez des petits bouts de papier là sur le côté. Ouais. Et ce qu'on va faire, on va mettre le feu au papier. Oui. On va le mettre dans le verre. Et puis on va renverser le verre sur la serviette mouillée. Vous avez bien compris, il faut faire ça assez vite. Hein, Oui. Donc faites attention à ne pas vous brûler, évidemment, les cobayes. On met ça dans le verre. Non, dans le verre. Dans le verre. Dans le verre. Et on le renverse comme ça. Hop. Bien. Vas-y, fais bien. Vous avez compris? Vas-y. Alors déjà, on voit que ça fait une espèce de buée à l'intérieur du verre. Mm-hmm. Donc c'était quoi le défi encore? De soulever l'assiette avec le verre sans casser l'assiette. Ah oui! Essaye, Gabriel? Ah bah non. Gabriel, ça marche pas. Ça marche pour tout le monde, sauf pour Gabriel. Mais alors pourquoi ça fait pourquoi, ça, oui. Oui, parce que qu'est-ce qui se passe quand on met le papier dedans? Ça chauffe l'air à l'intérieur, n'est-ce pas? Oui. Et il y a une dilatation de l'air parce que c'est chaud, parce que les molécules bougent plus vite. Mais quand on le met à l'envers sur le papier mouillé, oui. Ça devient froid tout d'un coup. Donc il y a une dépression qui est créée à l'intérieur du verre, qu'on peut voir très bien. Donc, s'il y a une dépression là, ça veut dire que la pression dans le verre, c'est moins que la pression atmosphérique à l'extérieur. Donc, si on le met à l'envers, on voit que c'est la force de la pression atmosphérique. Ah oui, c'est tiré un peu à l'intérieur. D'ailleurs, c'est la partie la plus amusante de l'expérience, je trouve. On soulève le verre tout en tenant l'assiette. Oui. C'est pas drôle, ça? Ah oui, ça l'a fait aussi. Eh bien, merci beaucoup, David Lecomte, on peut applaudir.